Hello Minas, c'est Dridri, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, toujours maintenant dans... On est toujours dans le monde de 5-10. Et donc, cette fois-ci, on va utiliser nos gemmes. Oui, on va faire une ouverture unboxing. Alors par contre, comme vous voyez, il y a deux nouveautés. Il y a le Stardust Acceleration, la boîte numéro 15, mais une grosse boîte et non une mini boîte, comme il y en a qui auraient cru. Et il y a ce deck là, le deck de pré-construction synchro connexion qu'on peut utiliser comme il y a marqué avec la marque du dragon tête de Fudo Yusei. Où dedans on peut l'avoir l'UR, on peut avoir Junk Synchro une deuxième fois, on peut avoir le Robot Briseur, le Serviteur Robot, l'Épéiste Robot, le Robot Impatient. Junk Speed Warrior, je veux dire. Le robot ancre. Le briseur de cartes. Le guerrier synthoniseur. Le synchro guerrier gravité. L'orgueil des faibles. Le robot comète. La vague harmonique. L'attaque synchro. Force spirituelle. Forme sœur. Limitation de surcharge. Et résurrection angélique. Voilà. Tout simplement, mais nous on va s'intéresser à la grosse boîte déjà en priorité. On va faire une boîte complète si on peut. On va en relancer une autre. S'imaginons, on tombe sur les cartes que l'on veut en priorité. Alors, moi dans cette boîte, ce qui m'intéresse clairement, c'est les X-Cyber. Donc, le cavalier à l'épée de serpent Sabre X, il faut au moins le Stardust. Yunlei X-Cyber. Bon, lui il est bien, mais c'est pas la priorité pour le moment. Après. Oh, lui j'avais pas vu, il a l'air d'être sympa. Le mausolée blanc, l'hurlement d'argent et le die unplayable. Après, en SR, il nous faut les chevaliers épouvantards Sabre X. Les Dark Soul. Dragon d'argent aux yeux azur, au moins si on peut l'avoir, c'est cool, c'est vrai. Wayne. Sabre X qui est sympa. Ensuite, qu'est-ce qui peut être pas mal à voir. Après, bon bah ça on s'en fout. Non, prêtresse avec des yeux bleus, ça ouais peut être intéressante, mais elle a pas l'air d'être rare, non. Enfin, c'est juste une rare quoi. Sousa qui peut être intéressant à voir. Flash poussière d'étoile, cibler un monstre poussière d'étoile dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc celle-là elle peut être bien pour faire renaître un Stardust qui a été détruit ou autre. Statue de ferraille. Ouais. Union avec l'épée, c'est pas fifou. On va pas se mentir, hein, c'est pas fifou. Après il faudrait que je regarde, mais... Brasier cosmique. Sympa, bon on regardera les effets après. Mais voilà. Après, il y a la... ils ont pas mis la Bottom Emergency Sabre X, qui est une des meilleures. Malédiction du cercle est sympa. Étincelle bis poussière d'étoile et étoile filante. C'est vraiment un booster basé quand même pour le poussière d'étoile, donc pour Stardust Dragon. Donc c'est vrai que voilà quoi. Allez donc on y va. On y go. L'émissaire de l'ombre. Étoile filante. Si un monstre poussière d'étoile est sur le terrain, ciblez une carte sur le terrain et détruisez la cible. On a tenté un deck poussière étoile. Daigusto Hegels. Sympa. La édition du cercle. Docteur Genex. Briseur de garde X-Cyber. Je sais pas si celui-là il sera utile. Si vous avez deux monstres Sacbrix ou plus dans vos cimetières, et que vous ne comptez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ouais. A voir, je crois pas que c'est. Même dans les. Dans le TCG, il était pas fifou. Hein. Cadeau Synclo, Saosa, Sabrix, ça c'est bien.
Lacération de sabre. Détruisez un nombre de cartes face recto sur le terrain égal au nombre de sabres X en position d'attaque face recto que vous contrôlez. Alors celle-là peut être bien, je l'avais pas vue, mais elle peut être pas mal. Elle peut être pas mal. Peuple opprimé. Prêtresse avec des yeux bleus. Alors peut-être qu'un deck aux yeux bleus va revenir, hein, aussi. Parce qu'il y a pas mal de cartes pour les yeux bleus. Pinikono. Fieur du scorpion noir. Probabilité de succès 0%. Envoyez deux monstres fusion choisis au hasard depuis le extra deck de votre adversaire au cimetière. Ouais. Le rasier cosmique. Si bien un monstre synchro poussière d'étoile que vous contrôlez, ce tour, si le monstre synchro que vous contrôlez combat un monstre de votre adversaire, mélangez le monstre de votre adversaire dans le deck au début de la damage step. Si un monstre synchro poussière d'étoile que vous contrôlez va se sacrifier pour activer son effet, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière à la place. Ah, c'est pas mal. Mitrailleur d'aiguille. Ça peut être pas mal. Crash boursier. Papillon captivant. Camouille. Espoir de gusto. Ah, qu'est-ce que ça nous... L'elfe des ténèbres en SR. Ok. Chambre forte de sabre. Arcorneau. D'accord, donc là on va pouvoir ouvrir notre boîte et prendre les 500 gemmes que on n'avait pas pu prendre lors de la dernière vidéo, tout simplement parce que on était complet. Crash boursier, guerrier de la clé, il est beau celui-là, j'aime bien. Cliff, le désamorceur du scorpion noir, tourbillon de gusto, modification naturelle. Ah oui, avec le petit nuagien. Hydrogenex, euphorie, syntoniseur. Ah, elle est belle cette carte, je connaissais pas. Enfin, elle me dit rien. Et elle est rigolote. Modificateur de niveau, ça je connais. Ultron éolien Genex. Oh, là ça envoie du lourd. Ouh, c'est un synchro UR, je pense. Chevalier brillant. Dragon argent aux yeux azur. C'est pas une UR mais une SR, mais une bonne SR. Donc, je vais pas m'en plaindre. Gaia Genex. Flash poussière d'étoile. Et donc, il faut un Stardust dans le cimetière et l'invoquer directement. Donc ouais, ça peut être pas mal. Peut-être encore une SR. SR Chevalier Épouvantard, Sabre XX. Mitrailleur d'aiguille. Interceptomato. Camouille, Espoir de Gusto. Marionnette de l'Enfer. Ah, elle est belle celle-là. Cadeau, chambre forte, contrôleur Genex. Ah bah ça va, on a quand même eu le dragon. C'est cool. Évolution globale. Cadeau de rétablissement. Encore un contrôleur Genex. La cloche de flamme allié Genex. Encore un flash et encore une prêtresse. C'est la troisième prêtresse aux yeux bleus qu'on a. Donc si on fait un deck aux yeux bleus, s'il faut déjà trois prêtresses, c'est déjà bien. Barrière Synchro. Brasier. Et Gusto Sculido. Ça doit être une SR, je pense. Non. Non, juste une R. Hydrogenex. Docteur Genex, modification naturelle et euphorie syntoniseur. Ouh, est-ce que ça va être une bonne carte? Émissaire de l'ombre, prêtresse avec des yeux bleus. Oh, et Dark Soul, sabre XX. Dark Soul, c'est intéressant.
c'est pas mal. Pinekono, Daiglisto Elguls, ok. Là on a des. Bah, des petites des petits trucs phare. Oh, serpent galactique. Un sataniseur de niveau 2, de 1000 points d'attaque. Bien. Ça me plaît déjà tout ça. Alors par contre je sais pas si le deck de destruction je vous le conseille clairement parce que vu ce qu'il y a dedans c'est pas le plus intéressant mis à part pour Junk Synchro. Enfin Junk Warrior. Il y aurait Junk Synchro encore je dirais pas mais Junk Synchro est uniquement utilisable pour l'instant avec la compétence de Yusei. Donc je pourrais pas vous la conseiller clairement pour le moment. Samouraï du futur, je l'aime bien cette carte. Et Wayne Sabre X. Ouais. Moi j'ai envie de me faire un deck X-Cyber et je pense que ça peut faire mal. Scintillement, poussière d'étoiles. Sélectionnez un monstre synchro de type dragon dans votre cimetière. Retirez du jeu d'autres monstres dans votre cimetière dont le total des niveaux est égal du monstre sélectionné et invoqué spécialement depuis le cimetière. C'est une renaissance du monstre, sauf qu'il faut retirer du jeu les monstres avec le nombre d'étoiles pour l'invoquer. Soleil Genex. Allez, j'aime bien cette carte. Alors je sais pas si les Genex. Maintenant qu'il y en a encore des nouveaux, il y en avait déjà avant. Est-ce que ça va devenir méta? T'es pas de tier 1, je pense. Guerrier de rétroaction. Oh, il est beau. Dommage qu'il est faible. Oh, ça envoie du lourd, peut-être, là. Une magie. Étoile filante. Pacte avec le diable. Elle est jolie comme carte, mais je pense pas que je l'utiliserai. Allez, on y go. Guerrier de la clé, modificateur et fée aquatique Genex. Qui est une UR. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre deck au cimetière. Ajouter un contrôleur Genex depuis votre deck à votre main. S'ils la mettent en UR, je pense que c'est pas pour rien, même si... Les Genex, pour l'instant, a priori, ne m'intéressent pas du tout. Clairement. Queen Double. Variété en vrac. Oh, ce sera juste une rare. Ah non, c'est une SR. Dans Lago Bluto Sombre. Waouh, une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre Gémeaux. Ah d'accord, oui, c'est vrai que c'est... Il faut un monstre gémeaux non sataniseur. Alors je sais pas si ça va revenir les gémeaux, mais clairement ça ne m'intéresse pas actuellement. Étincelle, bis, poussière d'étoiles. Lorsqu'un monstre de votre adversaire invoqué spécialement déclare une attaque directe, si son attaque est supérieure ou égale à vos life points, annulez l'attaque et si vous le faites, piochez une carte. Puis vous pouvez invoquer spécialement un dragon poussière d'étoiles depuis votre extra deck ou cimetière. Vous pouvez activer qu'une étincelle, bis, poussière d'étoiles par tour. C'est puissant, ouais. Prière Gusto et le briseur. Bon bah clairement le Sabre X, c'est vrai que ça m'intéresse. J'ai toujours, à l'époque j'ai joué pas mal Sabre X, j'ai bien aimé ça, c'est lui en lumière. Sabre X, ça peut être très fort hein. Donc j'espère qu'ils l'ont pas rendu trop puissant le deck pour pas qu'il se fasse trop nerf. Mais connaissant Konami, il y a des chances que non. Protecteur avec des yeux bleus. Oh, il est beau. Ouh, alors là, on a le gangbang des bonnes choses. Donc ça, ça, allez, ça sera un Star 2, ce serait le kiff. Mais non, ce sera un Urquissas de la cloche de feu. Donc, déjà, c'est déjà bien. Pour l'instant, on a des bonnes cartes. Hein. De toute façon, on va ouvrir toute la boîte logiquement, donc on aura ce qu'on veut. Mais voilà. Mais wali walou.
Réfraction synchronique. Active uniquement lorsqu'un monstre synchro face à vous pour contrôler, sélectionner comme cible une attaque, annuler l'attaque et détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. Les synchros vont bien envahir la méta maintenant. Ça va commencer à venir. Donc ça va faire mal. Statue de ferraille. Lorsqu'une carte magique et piège qui est déjà face recto sur le terrain de votre adversaire, qui est déjà face recto, active son effet, détruisez la carte. Et aussi, après ça, posez cette carte face vaisseau au lieu d'envoyer au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre robot, robot patrouilleur, chevalier robotisé, robot d'assistance au combat, robot hyper synchronique ou robot vrille de Koikimeru exclu dans votre cimetière. Invoqué spécialement en position de défense, vous ne pouvez utiliser que cet effet qu'une fois par tour. Ah ouais, elle peut être sympa, mais à voir quoi. Requin cyber. Ah, elle est belle cette carte. La serration, je sais pas si elle va être bien, sachant que c'est une commune, mais ça veut rien dire, donc il faudra qu'on voie. Il va falloir voir ça. Mais pour l'instant, ça va. C'est cool qu'ils mettent une boîte. Alors, ils auraient pu en mettre une mini pour ceux qui n'ont pas tous les gemmes. Moi j'ai économisé mes gemmes donc parce que la boîte d'avant ne m'a pas plu du tout. Je ne trouvais pas tip top. Donc ça m'a permis d'économiser. Donc voilà. Oh, Stardust Dragon. Ça, ça fait plaisir. Au bout de... voilà, au bout de 60 boosters, ouais, c'est ça. Oh! Aluginega, paléozoïque. Il faudrait que Stardust, dites-vous qu'on aurait pu relancer une box, mais il nous faut les sabres X. Donc voilà. Et ça humain et ça osa. Et bah c'est cool, on a eu droit à notre petit Stardust Dragon. Alors, faudra qu'on regarde les cartes qui nous manquent. Tempête de poussière Gosto. Chic le jaune, scorpion noir. Ouais, d'accord. Barrière synchro, lacération sabre. Ok, pour l'instant, des cartes qu'on a déjà, mais bon, ce qui est normal, parce qu'après on va retrouver sur les mêmes. Et à force, on tombera sur celle qu'il nous faut. Ah, ça fait mal aux gemmes, hein, mais bon. C'est pour la bonne cause. Géogenex. Qu'on n'avait pas encore. Ça, ça peut être que une ESR ou une R. Et je pense que vu la liste, ça doit être qu'une R. Ça va être la course à celui qui aura au moins minimum 2 Stardust Dragon. Oh, si c'est une synchro, on sait qui c'est. Ah, ce sera full Knight là. Ah non, Neutron Genex. Ah non, en SR. Ah, avec ça, j'aurais cru une UR.
autant pour moi. Chambre forte, docteur et Géogenex. Ah, il y a marqué nouveau, c'est parce qu'on l'a déjà eu une fois, mais faut le temps que la boîte, enfin que l'ouverture de booster soit finie. Ah non, alors, on n'avait pas le Géogenex. Ah, mais je sais pas pourquoi il me l'a mis deux fois en nouveau. Bon, bah voilà. On a ouvert déjà la moitié de la boîte. Donc... Ah là, si c'est pas une UR, je comprendrai pas. Ah non, une SR. Ça, ça brille pas assez pour une UR. Je n'ai rien dit. Voilà, ça doit être une rare. Là, la statue ferraille. Bon, la statue ferraille, on l'a déjà. Ils auront mis. Un jour, ils nous montreront le pouvoir en taille des ferrailles. Qui est un piège, quand même, mine de rien, assez casse-couille. Mais Yun Lane, maintenant, actuellement, pourrait l'exploser en 2-2. Donc, Ouh, là. Une petite Yun Lei. Ah non, un drago bruto sombre. Ok. Je crois qu'en termes de cartes rares, on les a tous faites, hein. Donc voilà. Offrande d'amener. Elle est bien, mais il faut sauter la prochaine draw phase donc. Ça ne me plaît pas. Clairement. Magicien synthonisateur. Elle est belle. Enfin, elle est sympa, ouais. Mais ce n'est pas un synthoniseur. C'est ça le pire. Pierre blanche légendaire. Hein, ça va être quoi? Une offrande d'année numéro 2. Eh ben... Alors, je sais pas combien il faudra de full night, mais si on faudra 3, ça va être gros tous les boosters qu'il va falloir que j'ouvre. Avec des yeux bleus, bon, on l'aura en brillante. Encore une rare. Oh non, une pierre blanche légendaire, ça fait plaisir. Un petit Dark Soul ferait plaisir aussi, mais bon. Hurlement d'argent, waouh, elle est belle cette carte. Si bien un monstre normal de type dragon dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible, vous pouvez activer qu'un hurlement d'argent partout. Oh, elle est belle. Allez. Ah, ce serait Yun Lei là. Et non, c'est Wayne. Eh ben purée, l'hurlement d'argent qui est magnifique. Clairement.
Là, il faudrait un Dark Soul. Ça. En fait, si on arrive à avoir les derniers cartes cyber que j'ai, je peux relancer quand même une boîte. Allez, s'il te plaît, Yunlei. Yunlei ou la carte... Oh, ce sera une prismatique. Oh, s'il te plaît, X-Cyber prismatique. Oui. Le chevalier d'épouvantard, sabre XX, en prisma. Ah, oh, magnifique. Ah, oh, ça fait plaise. Je voulais au moins que ce soit un X-Cyber. Ça fait trop plaisir. Là au moins, on a été refait. Ah, ça fait plaise. Il ne faut plus que Dark Soul. Neutron Genex Embryon. Il nous faut Yunlei. Dark Soul. Et ce serait bien. Allez, un synchro, non, une magie. Une ligne de reproduction des masses des ténèbres. Pour l'instant, l'opening est très bon. Oh! Allez, un Dark Soul. Maintenant, il ne manque plus que les deux UR X-Cyber. Oh, bien, 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 bien le Dark Soul, bien le Dark Soul. Bienvenue dans la famille, Coco. Allez. Ah, merde, l'elfe des ténèbres. Bah si on n'a pas de Saouza. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas hein. Au moins. Bon, on a eu l'aile des ténèbres. Même si c'est pas du tout, on va dire, c'est pas ce qui m'intéressait. Ouais, 30 boosters pour tomber sur Yunlei et Full Knight. Ça a l'air d'être pour l'instant tendu pour avoir la carte que je veux. Une ligne de reproduction et du classique. Allez, on va me dire qu'en 20 packs je peux pas avoir celle que je veux. Day imprévu. Si vous ne contrez aucun monstre, invoquez spécialement monstre normal de max de niveau 4 depuis le deck.
Ah. Yunlei. Voilà, un synthoniseur et un monstre à Boris non synthoniseur. Lorsque cette carte invoquée se passe synchronisation, vous pouvez sélectionner et détruire jusqu'à 3 cartes magiques ou pièges sur le terrain. Et sachant qu'il n'y en a que 3 maximum, elle peut déblayer le terrain avant de passer à l'assaut. Donc elle est juste énorme. Mausolée blanc. Si dedans il y a Full Aid Knight, je suis refait. Il y est pas. Bon bah on utilise, même gré si on utilise 500, au moins on aura fait toute la boîte et on aura le dernier dragon blanc. Et Full Aid Knight obligatoire. Voilà, comme ça au moins on aura ouvert une boîte complète. Allez, Full Aid Knight. Ah non, Full Aid Knight. Pourquoi c'est lui que je dis à chaque fois? Alors c'est Chevalier d'Hyperstère vraiment que je veux. Voilà, je peux même faire passer, hein, logiquement, en nouveau, voilà, j'aurai lui. Et ça rouvre une boîte. Et on continue. Urkissas. Un deuxième hurlement d'argent. Une autre carte SR ou UR Bruix, ce serait bien. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour l'instant c'est pas le cas, mais au moins ça fera 20 boosters en moins à ouvrir. Et au moins comme ça. Ah, j'aurais bien aimé un bon pour terminer. Mais on va terminer avec du classique, au moins. Voilà, en termes de cartes, on en a quand même pas mal. Hein. En termes de Sabruix hein, et tout. Donc ouais, c'est cool. Donc voilà les amis, et ben on s'est fait un bon petit opening. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao Mina.